D'abord, merci à Monsieur le maire d'avoir mis à disposition cette salle pour notre première expo photo. On se faisait un petit moment qu'on y pensait, et là ça arrive. Et merci aux élus et aux maires des communes qui ont fait le déplacement. Alors, les 9 membres de Photo Onco sont ravis de présenter leurs images. Alors, donc, pour la majorité, c'est leur première expo. Bon, toute première. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière, je suis persuadé. Donc le thème étant libre, chacun a voulu montrer un petit peu ses coups de cœur, et j'espère que cela vous plaira. Alors avant de terminer, nous avons une profonde pensée pour un mémoire de Bernard Defoix, qui m'avait demandé il y a à peu près 2 ans, qui est d'animer un club photo à Saint-Martin en campagne. Donc ça, c'est un plaisir la présence de Miel. Donc je vous souhaite un agréable moment parmi nous. Comme tu l'as dit, effectivement, je voulais revenir sur le fait que c'est Bernard qui a initié cette demande. C'est un peu grâce à lui ça a lieu, on a mis les moyens, on était convaincus que ça se fait. C'est vrai que ça, je veux pas être méchant, mais ça a traîné un peu. J'aurais préféré qu'il le voie, mais on l'a fait, on pense à lui. Et puis je vous félicite pour le travail parce que ce sont des petites photos. C'est pas mal quand même. Hein. Je ne suis pas un expert, mais je le rends. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, comme je suis le plus jeune, on m'a chargé de distribuer les récompenses. Alors, une récompense au président. De la part de tout le club, c'est signé tout le club. Une récompense au vice-président. Et une récompense pour le docteur Terry, on les remettra, il n'est pas là, on les remettra quand il arrivera. Une belle de photos décernée à messieurs Boniface, Henri Claude et Le Serre François pour la transmission de leur savoir en matière d'art photographique aux membres du club Photo & Co. Très reconnaissant. Délivré. Délivré, oui. C'est un B, donc c'est délivré. Non, c'est du gothique. C'est du gothique. Attention spéciale au docteur Terry qui soigne les adhérents les jours de fou rire. À Stockholm le 6 novembre 2015. Et c'est signé des membres du club.